Salut à tous! Je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous expliquer quelque chose de très important qui est donc un projet, donc qui est le projet d'anniversaire des 23 ans de Louis. Avec les filles, comme on n'a pas trop le temps de faire un TL, on s'est dit que faire cette petite vidéo d'explication du projet et à la suite de cette vidéo faire un petit tuto serait bien plus pratique pour vous et au moins vous serez moins perdus. Donc, tout d'abord, il y a une semaine, on a mis en place, pardon, un projet qui est assez simple à la fois et compliqué. Donc, pour pas que vous soyez perdus, je vais vous expliquer pourquoi je dis à la fois simple, à la fois compliqué. C'est parce qu'en fait, nous avons décidé de faire l'évolution de Louis tout petit à Louis en 2014. Donc on ferait à peu près le même truc que Liam que nous avons fait avec la pancarte en la passant de droite à gauche. Il y aura juste de ça identique, ne vous inquiétez pas, le reste n'est pas identique aux autres projets que nous avons faits auparavant. Donc c'est très simple, je vais vous faire un petit tuto à la fin de cette vidéo et comme ça vous saurez comment faire. Mais ce n'est pas tout. Chaque fille aura une partie bien spécifique. Ça se passera en 5 parties. Donc, il y en aura 5 filles qui feront l'évolution de Louis tout petit, donc à qui on enverra une photo de Louis tout petit. 5 autres qu'on enverra une photo de Louis adolescent, donc l'époque 2010-2011. 5 autres qui auront les photos de Louis en 2012, oui, si je ne me trompe pas. 5 autres en 2013 et 5 autres en 2014. Donc voilà. Et donc, chaque personne, donc chaque fille, quand elles passeront leur pancarte, elles auront une musique où que Louis chante son solo. Donc on a répertorié les chansons de tous les albums avec les filles où Louis effectue son solo, effectue un solo. Et donc chaque fille aura un solo de Louis en fond sonore. Voilà, j'espère que j'étais à peu près précise dans ce que je voulais dire. Concernant les inscriptions se font dans pas longtemps vers 20h, 20h30. Je tweeterai un message en disant les inscriptions pour le projet de Louis sont ouvertes. Et donc, pour participer au projet, c'est très simple. Il vous suffit juste de nous envoyer un tweet en nous disant je veux participer au projet de Louis. Il nous faut en tout 25 personnes, pas plus. Au bout des 25, dès que j'ai les 25 inscrites, je tweeterai un tweet en disant que les inscriptions sont closes. Voilà, je pense que j'étais à peu près claire niveau inscription. Pour l'envoi des vidéos. Donc, je sais que certains d'entre vous vont me dire, mais avec Gmail, j'y arrive pas à envoyer de vidéos. Ne paniquez pas. Soit vous avez WhatsApp et on s'arrange entre nous. Soit Facebook aussi, on s'arrangera entre nous. Vous me dites par un tweet que vous ne pouvez pas envoyer votre vidéo. Et on essaie de trouver un arrangement. Ou sinon, il y a un truc plus simple. Pour celles qui ont YouTube, donc elles doivent avoir un compte Gmail forcément, elles mettent la vidéo en ligne sur YouTube, elles m'envoient le lien, moi je la télécharge et ensuite je vous dis quand elle est téléchargée pour qu'ensuite vous-même. Soit vous la supprimez, soit vous la gardez, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, on va passer à la partie tuto. Donc j'ai pris une feuille de brouillon, parce que moi je n'ai pas de photo de Louis imprimée, donc du coup je me suis dit que pour l'explication, une feuille blanche suffirait. Donc c'est très simple, la feuille, comme pour le projet de Liam, on se la passe de droite à gauche. Faut bien qu'on vous voie le visage, hein. Faut pas que vous cachiez vos yeux et qu'on voit que votre lèvre bougeait. Faut qu'on voit tout votre visage. Et ensuite, vous dites, donc à ce moment-là, vous dites Happy Birthday Louis. Et ensuite, vous passez la feuille à votre gauche. Il faut pas qu'elle fasse comme ça, la feuille, hein. Vous faites comme ça, droit et hop. Voilà. Je précise une chose par rapport aux feuilles. Je ne veux pas de feuilles qui ressemblent à ça. C'est une enveloppe, mais de ce format-là ou de ce format-là. Je vais y arriver. Voilà. Je ne veux en aucun cas parce que si la fille d'avant, elle met la feuille comme ceci, elle fait passer la feuille comme ceci,
que l'autre d'après, elle a une mini feuille et que l'autre d'après, elle en a une toute mini, ça va faire un peu moche et j'ai pas trop envie que ça fasse moche. Moi, je veux que ça soit bien fait. Je sais que je suis chiante par rapport à ça, mais je suis sincèrement désolée si je suis chiante par rapport à ça. Mais si on envoie la vidéo à Louis, je veux que ça soit bien présentable parce que moi, je passe beaucoup de temps à faisant la vidéo en même temps que mes études. Donc voilà, je prends le temps aussi pour ce projet. Donc voilà. Donc pour les filles qui seront inscrites, moi je marquerai les Twitter, les hussards Twitter sur une feuille. Et quand nous aurons décidé avec les filles de quelles photos nous vous attribuerons, je pense que demain dans l'après-midi, on vous attribuera vos photos. Et par contre, quand vous envoyez vos photos votre vidéo, pardon, par mail, précisez bien la catégorie. Donc, si première catégorie, Louis tout petit, Louis ado, Louis en 2012, Louis en 2013, Louis en 2014. Vous précisez bien Louis en ou Louis tout petit, comme ça que je puisse savoir l'ordre, que je puisse vous mettre dans l'ordre. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Twitter. Si je peux répondre, j'y répondrai. Ou plus souvent que je réponds, c'est sur Ask. Donc, le lien de notre Gmail et de notre Ask, il est dans notre bio. Donc, vous avez juste à aller cliquer sur notre bio. Ou sinon, je vous mettrai le Gmail en barre d'infos. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Ben moi, je vous fais de gros bisous. J'espère avoir été à peu près claire dans le projet de Louis. Et je vous dis à plus tard. Bisous.